Dans cette dernière vidéo des 50 ans, je suis en compagnie de Damien et nous allons vous révéler nos astuces pour réaliser un intérieur minimaliste. Un intérieur minimaliste, mais réconfortant pour recevoir ses proches. Exactement. Adopter le minimalisme, c'est faire ressortir l'essentiel en évitant une déco débordante. C'est une déco et des designs qui simplifient le quotidien, comme par exemple des meubles de rangement qui dégagent la vue de votre séjour. L'astuce du jour, pour une ambiance apaisante, n'utilisez pas plus de 3 teintes de couleurs. Ici, on favorise un camaïeu de douces nuances qui révèle un intérieur épuré. C'est canon, j'ai bien retenu la règle d'or, j'utilise 3 teintes pour réaliser une décoration au style minimaliste. Génial! Maintenant, on va créer une atmosphère sensorielle. Pour se créer une ambiance bien-être et sensorielle où l'on peut se ressourcer, pour vivre en harmonie et en équilibre, avec des couleurs douces, des pastels et on joue les transparences colorées. Pour le toucher agréable, on utilise des textiles doux et naturels qui réinventent le confort et on disperse des tapis pour marcher pieds nus. Pour l'odorat, on parsème notre intérieur de bougies végétales. Merci Vanessa pour cette ambiance harmonieuse. Merci Damien. Rendez-vous prochainement sous un nouveau format d'inspiration pour servir vos envies.